l'émission Kim Lucine sur la glace de cette patinoire de Megève maintenant. Marc Vaillant, entraîné par Annick Dumont, que nous saluons. Kim Vaillant qui avait terminé cinquième des championnats de France l'an passé, qui va patiner sur la musique de Dune. Thank you.
ça ne nous a pas échappé de Dune, on est passé à Dafuin. On a l'impression qu'on est parti pour une très belle soirée, Nathalie. Est-ce que Brian Joubert est en train de tirer tout le monde vers le haut? C'est ça un leader, oui. Ça, je suis d'accord avec vous. Bien évidemment qu'il est en train de tirer tout le monde vers le haut. Il donne l'exemple. Donc à partir du moment où on a quelqu'un qui donne l'exemple, eh bien, tout le monde essaye de suivre cet exemple. Et la marque a donné la preuve ce soir, malgré un programme en altitude, comme vous en étiez en train de parler tout à l'heure, Christophe, que même dans la difficulté de la respiration, c'était un programme d'une vraie conséquence. Non seulement, on va dire, techniquement, tant sur le plan technique que sur le plan artistique aussi, avec une interprétation de ce thème sur Gershwin, un Américain à Paris, vraiment, on va dire, jovial et décontracté. Alors, il faut bien évidemment imaginer qu'il n'a pas choisi ce thème par hasard, parce que Marc Vaillant est issu d'un papa américain, d'une maman américaine et d'un papa français. Voilà. Et il représente la France. Il a choisi de représenter la France. Good choice. Et on attend dans le petit sound cry maintenant du côté des supporters de Marc Vaillant. Les notes. Dumont, Pierre, Trente, qui sont ses entraîneurs au quotidien sur le centre de Champigny, le pôle. Alors, Kim Lucine, pôle Annecy, Marc Vaillant, pôle Champigny. Et il y a aussi le pôle de Villeneuve-d'Ornon. Pôle de Villeneuve-d'Ornon, voilà. Un pôle espoir en France. Pôle espoir et pôle France. De très belles pirouettes. Alors, ces deux patineurs, donc on va voir le troisième là qui est en train de s'échauffer sur la glace pour le moment. Ce sont trois patineurs juniors. Ce sera Florent Modu. Voilà, ce sont trois patineurs juniors qui vont défendre cette année leur titre au championnat de France junior et qui mettent déjà par rapport à cette compétition un petit peu se mettre en pression et par rapport aux résultats des Grands Prix pour se sélectionner au championnat du monde junior. Ça va être une très très belle compétition également, le championnat de France junior cette année. Oui. Vous avez déjà la chance de vivre en direct sur Paris Première ces championnats de France senior. Allez dans les patinoires, allez voir ces pirouettes et autres figures absolument superbes. Brian Joubert vraiment tire tout le monde vers lui. Oui. Alors ce sont des championnats, on appelle nous, ce sont nos championnats de France élite. Pourquoi élite? Parce que il y a dans chaque catégorie, dans la catégorie novice et junior, les meilleurs patineurs de chaque catégorie ont été sélectionnés par rapport à leur points, on va dire, et puis aussi par rapport à leurs compétences pour réaliser ce championnat. Et bien voilà, Marc Vaillant est premier, donc au total des deux épreuves. Voilà, jouer avec Annick Dumont, voilà, superbe. Ouais, beau geste sportif. Ouais, ils sont à fond. 176 points, 84. Ça se joue à très très peu, mais bon, c'est ça la loi du sport. Je trouve ça plutôt.